3, bonjour les Baka Kolanda Bisso, partout à travers le monde, Mbote, Pe Boyebola, Mounamana Kanabino, Yapona Congo, merci surtout la fidélité, Pe confiance, Bozo Koba, Kope Sa Bisso, bonjour les Baka Kolanda Bisso, partout, Bakongomani Yonso, Mbote, Nabino, Nabasango, faisons la ronde de sites retenus pour accueillir le 9e jeu de la francophonie en juillet prochain. Le président Félix Tshisekedi a visité les campus et l'université de l'université de Kinshasa totalement rénové, le stade de Martyrs ainsi que le stade Tata Raphaël, ayant pris connaissance des avancées considérables des travaux de construction. Le chef de l'État a appelé les différents entrepreneurs engagés dans ces projets à plus d'efforts afin que les infrastructures attendues soient livrées dans les délais. Et autre chose, la création du nouveau fonds social pour la RDC à l'origine de la suspension de financement de projets dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. La porte-parole du président Félix Tshisekedi, Madame Tina Salama, a assuré qu'il n'y aura aucune suspension de financement et il est juste question d'une gestion transitoire, notamment avec le ministre de Finances, tel que déclaré par Madame Tina Salama. FMI, la RDC classée désormais parmi le dit premier pays riche d'Afrique. Kinshasa, Félix Tshisekedi va inaugurer le port de pêche de Kikolé le 24 juin prochain. Marche de l'opposition confirmée le 20 mai. Oui. Topé samedi. Kasi pembe ni pembe ni baye opposition baye à pouvoir pe bazali ko préparer. Yabango ba marche to kaki lik de jeune awako déposé mokanda à l'hôtel de ville de Kinshasa to ko apprendre ki bende bande ko ACP bande ko moi belé na ngamba union sacrée ba ko tambola pour ko soutenir ba institution quid sur gestion ya sécurité pour to ebi ke ceux qui marchent ya opposition ezaya ki reporter le 18 ndenge hôtel de ville loba ki pe bande ko ba maki ango le 20 ezala ki pona likambeta li sécurité na ville province ya Kinshasa. Est-ce que l'hôtel de ville a pu permettre que ma marche union soit là et ça les mal le même jour? Est-ce que ça forme à provocation? Tu peux former à coup étouffer bah activité opposition de Robert Alishonango, parce que jusque là faut noter que hôtel de ville et s'est prononcé na noté na journée il y a le 20 où ils allaient programmer quasi mobilisation et aux salima lobby et l'équipe bande de ensemble les acquis sur terrain bande de kubaza kokita de part et d'autre pour nakoluka ka et talibongo ko mobiliser population pour na likambo yango il y a le 20 mai prochain. Est-ce qu'il faut attendre que ben chauffeur bima ma beko ma batuba koufa pour solution, je ne sais pas, je ne crois pas, je pense que l'autorité urbaine faut tient ordre parce que tout le monde a un problème, il y a sécurité, est-ce que si elles ont mis solution, c'est une question. Création d'un nouveau fonds social, paix, suspension, il y a un milliard de dollars pour un projet dans le fonds monétaire international, 91 millions, ils allaient tracer, topé, ils allaient comme on a tête, est-ce que les allées sont ni pour n'ambo cannabis, qu'est-ce qui se passe juste parce que gouverner même comment présidence de la République va estimer que rien ne perdit jusque là et ça juste transfert il y a un fonds et que ça les na fonds social les allées qui bongo changer na chef de l'État ou à créer qui font mon sous et vous en avez kaka question il y a qu'au transférer et ba million et wana et que yu api tozu kozongi la mise au point et la présidence oyo a zali ko rassurer que rien et le comment côté salé mis suspens pa de tournement et zali teto le bala Congo nan de Merlin vous voit zali na biso sur ces plateaux moi la mboka ok déjà qu'on rejoindre biso bonjour et bienvenue. Bonjour maman Naomi, bonjour Nabakon Maninyoso, bonjour na équipe technique, mais tikana banda na moi biscuit moke. Komoni erto koloba ki régime oyo ya ki régime ya robo mamboka batuba koboya. Lobby na saya ki na descente côté en selé na tongo ba mama baleli. Et ça na conseiller moko chargé des missions ya Félix Tshisekedi Kombo na ye
Yannick Luntadi la Pirence. Akeyi koboto la batuba mabele na bango. Alors ma belle wana ya président de la République, j'ai pris des images, ba maman na ba pesinga na ba mikanda, alobi ke ya président akeko placer na ba panu. Et akomi ko memela ba maman ya batuba gère ba garde républicaine. Ayebisi ba maman na ni gouverneur ni ministre intérieur a la capacité à refaire qu'il est. Et bato ba teka ki place wana za famille Mobutu. Après avoir gagné la commission à limitation entre famille Mobutu et la Fédération internationale de football, FIFA, Zanga Mobutu, na Angba, a décidé que Kabela, Oba ou Kabela, Bateka, Oba ou Teka, ou Etikali, Yabango. Les documents sont là, officiellement cédés. Yaye, a Botoli, Yango. Et la famille Mobutu, Bazo Benga, et la Kisaye Mikanda, il dit, il bat tout na Félix Tshisekedi. Voilà la diaspora, les gens qui habitent l'Europe depuis longtemps. Bah yebi passe à Congo, bah yebi Congo, on a bien à importer. Félix a célébré son emballage à Elabiswa. Regarde ce qu'ils font. Alors, bah maman a 75 ans. Nous avons déjà des problèmes. Mamboua Kwamutu a mon écoute na Maluku, Tinsele. Alors, Yesusu, il crée d'autres insécurités. Il y a Romemaka, bah garde républicaine. Si mon Yesusu a été arrêté, pour avoir poussé les militaires à commettre des actes ou à poser des actes contraires à la loi, ce monsieur doit aussi faire objet d'arrestation parce qu'il utilise mal le militaire. Ce sont des gardes républicaines. Ce sont des gardes de prestige pour l'institution président. Il y a qu'on utilise à monter la fin et la fin à détournement. Alors je lui dis ceci. Trop, c'est trop. Moi, personnellement, Marley, je prends l'engagement solennel ici. Je ne le laisserai jamais. Alors jamais prendre des parcelles et des terrains aux compatriotes, surtout ba maman, so monde ba maman ami vous allez plaire. Regarde, maman ta benga na téléphone de toutes ces rabani numéro na TV est une maman de 75 ans. Comment robot la maman ya ajoana na mabele na yé. Ama ba saisir Morgan habilité chef de l'État au bar so il moyen. La combo na yé. Non, le chef de l'État, moi je ne sais pas comment l'atteindre. Je n'ai que le micro, ma voix et le média. Je l'ai dit parce qu'il va suivre. OK. Il doit tirer les oreilles de son conseil, de son chargé de mission. Je répète bien son nom. Luntadi la Yannick Pirence. Yalobi, Barossal et l'autre. Il cite le nom du gouverneur, du ministre de l'Intérieur. Alobi n'a pas maman, n'a pas tout. Nenge Avandarana Félix Napote. Alors, si Félix est devenu président, parce qu'il avait des amis, comme Yazaro vivre dans le salaire, il y a maman Denise, bah, on est Bazaro soutenir. Et ces gens-là pensent qu'ils ont maintenant le droit. Moi, je ne laisserai pas. Ce gars-là, qui sont maquillés les Wana, je vais marcher avec toutes ces mamans. Et s'il faut baser Wana et d'autres mamans tirer biso, je serai le premier à mourir. Merci beaucoup, moi, Mbo Kambela, Noye Yokani. J'espère que comme il a maté, il y a pas conti Mboka. On découvre Yves Badjoko, Azali Bongo au cadre, il a décidé secrétaire national adjoint à jeunesse, occupé déjà pour rejoindre biso Mbo TP Boebola. Mbote maman Naomi, c'est mon ami à Rosa na plateau, il a repartagé plateau dans la binonyoso, mbote na ba kongoma nyoso ici ka nyoso ba bazwami kasi na lingina lo ba likamba liboso si au 23 janvier 2024 na minuit élection salimité to kokene na transition sans de Félix Tshisekedi. Alors na ba ki c'était exacte que tozo linga transition kasi to lingine ma ponami za la claire, transparente et apaisée pour na ba nyoso ba ndongwana na ndenge elongo bani. So ki basali aventure la colline a des sous koyiba victoire ya peuple et ben le président et le commandant du peuple c'est Abeta Kimbela donc bimana balabala donc récupérer victoire na miso et donc on mibale na lingina dénoncer ndeko nangai mwana mboka maître Clément Mouza secrétaire exécutif na biso ya Changu a ko subir ba pression et pas ba service de sécurité en tout cas ba s'est présenté Ningwana bazo ko luka lukae ba ko traquer ba ko roder autour ya permanence na biso na Changu ba ko roder autour ya ndakunae to beti mbela déjà sikoyawa que ceux qui les kambo comme lié ba to ba déjà
tina ya likamwa. Donc toko dénoncé ba pression psychologique wana ba ko beta. Azana problème na l'état. Mama ata uza le problème na l'état. Soki ba lingi ba kango ba procédé reconnu. Soki ba lingi ba bengi si a ko kende a ko répondre sans problème, mais soki komi na ba système wana ndeti ba filature ba biloko. Et surtout qu'il est avocat. Ah voilà, donc ils ont posé quand même question biso toyé ko dénoncé parce que toyé bi que ndenge boko ndeko tiseke djaluba ki justice est théâtralisée. Il y a mon commentaire en scène, il y a théâtralisation, il y a justice. Tobé Timbela, de manière publique, ceux qui va service compétent, va Rui Koyo Kango, va Luka Kolandirango. Donc voilà, maman a dit Kango, j'espère que tu auras le bel amour. Très bien, merci beaucoup. Nazo Peso Maloba, moi Namboka, Nazo Peso Maloba, tu remarques que Bande Kwanyon Sacré Bazar, vraiment, on arrêta mon Kolalelo. Il faut dire que Villa Kinshasa, ils appellent embouteillage. Je m'accasse si je ne sais pas, Bakangami pour l'embouteillage. Je t'en ai ni pour te rappeler que tout ça, on dirait que Montaigne a Congo Buzz Télévision depuis Villa Kinshasa sur notre chaîne TNT, puis na page Nabiso Facebook, Bosso Nabiso à travers le monde, pouvez réagir. Marche à opposition. Le 20 mai, ils avaient qui au départ le 13 mai, bah, gouverneur à Memiango le 18, bah, Boi, quatre leaders et opposition, bah, Sangana qui, bah, Obité, Totiango le 20 mai. Mais le 20 mai, à notre grande surprise, bah, de quoi est de PES, bah, Obi, bah, on peut Borotambo là, le 20 mai, bah, de quoi ACP, bah, Obi, bah, on peut Borotambo. Naoki, Soussou, bah, de quoi, Moussou, je sais pas, inerte, parti Moussou, bah, on peut Borotambo là, le 20 mai. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une une forme de. De provocation ou bien seulement les allemands ont toutefois manifesté pour la démocratie un des commerçants vous foutent au bananaio. Est-ce que date il y a le 20 mais allez sous ce souffrir est-ce que vous allez sous reporter tes petits il faut rappeler que hôtel de ville n'a pas prononcé tes sur ces géants il y a les bosso maman Naomi n'a aucun n'a même ordre idée que de Konangai Badjoko maître Clément Mouza c'est un avocat. Il a un cabinet dans ça. Il n'est pas bien dans la langage, c'est un caïman. Parce qu'il a un cabinet à lui. La procédure pour interpeller un avocat est connue. On ne peut pas, on va dans un pays moroboué. Moi, je me pose la question. Tant que Gilles Monnier a fini à rabattre, tout le monde me dit pourquoi tu as un service ou un bazar, pour pas rouler autour. Tant que Kabou, il y a lui-même le PCA, la Société Nationale de Fabrication d'Ingénieurs et Insultes. Tant qu'on finit à rabat, tout bas à Kawa, puis pour pas rouler à retour, on doit Kabouya. Quand Gili, le directeur général de la Société Nationale de Fabrication d'Ingénieurs Insultes, tant qu'on finit à rabat, tout le monde me dit pourquoi. Nani à rouler à retour, on doit Gili. Dans mon bébé, le bisou, il faut pas finir, il faut pas finir. Mais justement, bisou, Clément Mouza n'a pas insulté. Il est d'abord avocat, il maîtrise les textes. Aïbiga, on finit à terre, rien que d'abord la posture, on a eu avocat. Il ne peut pas. Aïbi. Alors, si on a tout supposé que tant que humain a tombé dans la piège à Fingaki, est-ce que la procédure d'interpellation est erronée? Nous avons besoin de la service de service à renseignement. C'est ça le rôle de la service à renseignement. Comment est-ce que tu vas créer un groupe armé? Tu as dit 130 ou 260. Comment est-ce que mon Mindouki et l'équipe dans l'aéroport? C'est le rôle à service des renseignements. On va bien servir d'intelligence. Rôle de Bangoza que ce opposant lobby, Baromikoya au Roda, Rodara. Non, non, non. Ça, c'est transformer les services, c'est en violation. Il y a l'article 197 de la Constitution. Ça dit, bah, service à l'État, bah, personnaliser, comme un service à battre. Alors la République maintenant est abandonnée. Naemba, on a questionné. L'opposition va marcher. Degré ou de force? Parce que c'était. Elle devait se prononcer. Non, 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 on n'a pas, pas besoin de Gentil Nungo parce que Gentil Nungo s'est comporté. Parce que Mikolo n'a pas le belo Romoko. Tu sais qu'il est le recteur de l'université de l'IDPCN. Il y a deux facultés dedans, la prométallogie et l'eschizologie. Dans la carte eschizologie, il y a la faculté, il y a le département, il y a la mensologie. Et dans la carte de mensologie, le premier licencié s'appelle Gentil Nungo Bila. Il nous a menti que les 13 basodas sont en entraînement. Vous avez vu les militaires s'entraîner ici à Kinshasa? Il a dit ça dans la réunion. Il y a organisation. Vous avez vu le militaire s'entraîner à Kinshasa? Mensonge. Posez maintenant la question à Gentini. C'était quoi la motivation à cause de Batounion? Il a manqué de respect à Batouba responsable Bongo. Parce que mentir, c'est un manque de respect. Donc je considère que Ngobila est à son éducation. Oui. Il n'a pas d'élégance. Non, non, il n'y a pas d'élégance. Il a menti aux gens que les militaires vont s'entraîner. Nous allons devant la Kinshasa. Attends, Lissa, s'il a joué. Attends, Mundou qui a joué Tambolité dans Barbade. Il y a aussi un problème de sécurité. Non, 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 non. Oh, Zali, non. Nazo, quel moment étape pour étape. Alors, de sécurité, qu'il va récupérer des machettes. Où est-ce que Ngobila nous a présenté des machettes 3 jours voulus et passés?
C'est dépassé, non? Les trois jours demandés par Ngobila. Qui est là, trois jours, nous avons récupéré ma machette. Combien de machettes il récupéré? Mais si nous avons un raisonnement à Ngobila, un raisonnement à Moukiewana, a dit que ma machette est cabolée à Kinshasa, il était informé quand? Et si nous avons informé avant, pourquoi il a laissé les machettes être distribuées à Kinshasa? Parce que tant que tu as une formation, tu dois tout de suite répondre, prendre des dispositions. Pourquoi il a attendu que mon opposant va se marche? Alors, c'est tout ça, ça prouve que la majorité au pouvoir, Bazoubanga, ça veut dire, Babenga, son position a pété. Nous avons remarqué que c'est un régime de fainéants. Nous devons péter, mais toi, fainéant. Parce que le régime a fainéant. Et le problème, c'est l'intolérance de Tshisekedi lui-même. C'est lui l'intolérant dans tout ça. Comment est-ce que dans un parti de social-démocratie, sont incapables de supporter la contradiction? Si nous marchons, on va casser quoi? Après toi aussi, ça te rejoint. Tu sais qu'il y a peur de quoi? Est-ce que les Congolais n'ont-ils plus droit? Il y a Robi Manababa qui est une pauvre vieille commissaire. Il y a le bien qui va tenir sur les retards pour les embouteillages. Où sont partis l'argent décaissé pour construire des routes? Est-ce que tu vas revendiquer à monter? Donc pour la yo? Non, non, ok, malembe, malembe. Autorisation ou pas, marche votre droit. Non, non, mais ton Sénégal, autorisation, c'est lui qui ne veut pas l'autorisation. Information plutôt. Non, non, pas l'autorisation. Ouais. Nous sommes dans un régime d'information. Nous avons informé, conformément à l'article 26 de la Constitution, nous avons répondu à l'invitation du gouverneur, conformément à la linéa D de la même, du même article 2, 26, qui est au Yatoukout, à la poteau s'organiser. Mais lui, il s'est permis de nous manquer respect à Roko Sabiso. Est-ce que vous comprenez qu'une autorité menteur, une autorité qui n'a pas de. Une autorité sans vergogne, sans scrupule, a dit que le coup de la marche, la marche, entre les mains et sa maquille. Depuis quand Ngobila a dit que le coup de la marche? Alors, Wapiam. Alors, il a menti. Vous pensez que nous sommes des faiblards, cette fois-ci, tu regardes sur Ngobila, a dit que tu es un peu tu sais que tu es un peu plus. Qu'est-ce que tu sais que tu as tambour? Papa, tu as un tombe à tambour. Non, maman. Non, non, non. Non, non. Père à son âme. Non, non, non. Père à son âme, peu importe. Même si tu sais que tu as bimis Étienne, les Saint-Étienne, Yemoura Bimi, Namou Alané Saint-Félix, nous allons marcher. Pourquoi? Parce que nous en avons droit. Nous avons droit. Très bien. Et le texte de la République nous donne ces droits-là. Alors, c'est Ngobila. Comme un médecin a maquillé, il y a un salaire qui filme un vampire. Nous allons descendre et la mort va nous trouver dans la rue. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boka. Merlin, vous, Tozabonga, Maître Platini, Ndeko et sort de la République. Zali Bongo, Madame Boka, Union Sacrée, que vous déjà corrigez le buisson, Maître Platini. Mbo Tepe, Boye Bola. Merci, Madame. Mbo Tepe, merci pour l'invitation. Et vraiment, Bolimbisimingi pour la retard de connaître, vraiment, c'est dû à l'incivisme routier. Il y a conducteur, souvent. Et puis, constamment, on a ça, les gens qu'aujourd'hui, la moni, réglementaire à chaque jour. Et je constate une chose que nous, le Congolais, fois des fois, tout mis colis ça. En fait, tous à la carte, on a si ma fille mouté. Parce que ceux qui filment, vous êtes. Des ordres et côtés. C'est que tu filmes ou ordre et côtés. Donc, absence, il y a unité, on a un zéla, les lots, en bouteille, c'est terrible. Vraiment, il y a mon assigné, les spectateurs, nous surtout, Bolimbici, pour la Rita Wana. On a profité un peu sans bout, on a un co-débatteur, on a un autre, on a un autre, on a un autre, on a un autre, on a déjà un autre, on a et puis, on a un autre, on a un président, on a un parti, on a un monde là, on a un autre, on a un autre, et puis, on a un autre, on a un autre, on a un autre, on et papa, membre, nous surtout la Fondation Platini Bandou pour nous aller co-diriger. Maître Platini Bandou, aux âmes des croyants sacrés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça la marche, kaka, le jour opposition, essayez ça la marche? Est-ce qu'au tel de vue la Koukouka, pour tous les gens, un problème à sécurité, mon cas, le Batiko, Batiko, la Batou, 3, 4, 5, l'Issanga, la Batou, Topé, 4, 5, marche. Est-ce que d'abord, même à désordre, est-ce qu'une forme de provocation, Topé, qu'on étouffera, bah, opposant, Batambo, la malamouté? Ndeko journaliste Namouni Ezali provocation T parce que la marche Ezali droit constitutionnel accordé à tout le monde d'abord comme individu ou comme groupe selon la forme qui batubalingi kozwa. Je crois que ceux qui il y a marche il y a les 13, il y a renvoyé qui bango et comme qui les 20, c'est parce que c'était au regard, il y avait élément où Ezali na table, il y a gouverneur de la ville, au bon, il y a une gestion, il y a surtout. Et puis aujourd'hui, ceux qui sont jeunes, il y a eu des pèses
je ne fais pas leur porte-parole parce que je ne suis pas de l'UDPS, je suis de l'ESSOR. Ceux qui ne peuvent pas décider, ils vont marcher jour ou là. Je crois que ce sont des jeux démocratiques. Il n'y a pas vraiment de débat à faire là-dessus. Ils vont marcher, nous pouvons marcher. Nous avons respecté l'itinéraire naïe et tout va aller de meilleur. Je crois que marche est un droit démocratique à la fois pour les opposants et aussi pour les gens qui sont à la majorité. On a ville que ville qui encadré la marche, on en a 3-4 alors que tu as déjà un problème, il y a sécurité, il y a des villes qui sont que marche, il faut informer l'autorité. Okay. L'autorité, lorsqu'elle est informée, elle va vérifier même tout autour de lui par rapport aux éléments au hasard au niveau de la police, au niveau de la sécurisation, s'il peut vraiment sécuriser deux marches pour la journée. Quoi. Ce que l'autorité compétente estime que non, il peut le faire, il va le faire. Donc ce n'est pas à nous de spéculer en avance, mais c'est nous, nous allons juste observer, regarder comment ça va se dérouler. Et moi, je crois que ça va bien se dérouler. Il suffit juste de respecter les itinéraires où chaque groupement est précis. Il ne faut pas chercher des sorciers là où ils ne se trouvent pas. Il ne faut pas chercher aussi des mains noires là où il n'y en a pas. Moi, j'estime que non, c'est le gouverneur. Le gouverneur est en train de gérer plusieurs choses au même moment que nous, ici, peut-être sur ce plateau ou bien ailleurs, nous ne maîtrisons pas. Quand il dit une chose, il ne peut pas tout dire à la télé, mais il peut trouver une raison valable pour reporter marche au Yézaki prévu, mais pour des raisons de sécurité, pour des raisons X, Y, Z, Oyoye Azali n'a pas élément, n'a pas beaucoup. Alors, ce n'est pas sorcier, mais du moins, on observe seulement le 20, je crois que UDPS, jeunesse à UDPS, et puis, na marche à les 13, voilà que moi-même, je me demande pourquoi est-ce qu'ils vont marcher, parce que, entre nous, si on parle de la vie chère aujourd'hui. Ils n'ont pas raison de marcher. Je ne vois pas, parce que la vie chère, c'est pour tout le monde, y compris majorité opposition. Mm-hmm. C'est pour tout le monde. Mais la vie chère, où on a battu, c'est un mot lélo, et ça battu, participe pas à la vie comme ma chère, dans les communes. Oh, lolo, tu es ma maïs, tu es ma rambouani, mais battu, oh, bazan, on a beaucoup, non. Oh, bah, c'est un mot la vie chère. Ils ont participé activement. Quand il y a pénurie à maïs, bah, participe pas à la vie chère. Je prends par exemple le dossier Matata Ponyo. Jusqu'à aujourd'hui, Bukangalo de Tébi Suite Namote. Ça fait partie des éléments. Il y a pénurie à maïs. Aujourd'hui, dossier, il y a par exemple, il y a CENI. Oh, bah, c'est un consensus, ainsi de suite. Mais les gens qui sont là-bas, je prends l'hypothèse, il y a Envol. Je prends l'exemple aussi, il y a Ensemble. Ils étaient dans l'Union Sacrée lorsqu'on mettait ces gens-là au poste. Mais aujourd'hui, ils reviennent encore sur leurs paroles pour se souhaiter que bah, l'on là-bas, oh, bah, tiens, consensus, ainsi de suite. À combien de temps? Parce que nous sommes à 6 mois, ou à quelques mois des élections. Lorsque nous allons organiser les consensus, et le consensus va prendre combien de temps? Et après, pour qu'il y ait quel genre d'élection après ce consensus? Donc, en d'autres termes, les gens ne sont pas prêts pour venir aux élections. Donc, ils ont rien pour venir aux élections. Mais ils cherchent juste des boucs émissaires, des justifications qui n'ont pas de tête ni de queue pour chercher à ce que d'amener des listes la nuit pour qu'on puisse leur donner encore des postes, comme d'habitude. Dans l'opposition, ils ont le poste. Les Zoulou Kaba poste, Zoulou Kaba Moussala. Parce qu'aujourd'hui, là, qui peut proposer un consensus à 6 mois des élections? Qui peut le proposer? La vie chère, c'est pour tout le monde. Je peux accepter, mais je n'aimerais pas voir d'autres têtes de l'autre côté. Bah, le bénéfice, on va vie chère. Parce que pénurie, il y a maïs, ça fait partie. Nous avons tous entendu ici les débats qui est tourné tout autour. Il y a pénurie. Oh, maïs, c'est où tu as sous un zambité, il y a sous la communauté. On a entendu que les gens ont pesé de leur poids par rapport à leur pays d'origine. Ils ont fait de leur mieux pour que maïs ait. Main noire. Pardon? Main noire. Oui, main noire, ils ont pesé de leur poids par rapport à leur pays d'origine, madame. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis congolais, si je veux influencer mon président à ne pas faire X, Y avec un autre pays, je peux le faire. Parce qu'on est congolais. Alors d'autres personnes aussi se sont aventurées dans ce jeu-là. Et aujourd'hui, nous avons ce pénurie. Et les mêmes personnes traversent le macadam pour solliciter encore certains éléments. Moi je crois que les Congolais, il faut que tout l'amouka. Congolais, nous sommes toutefois l'amouka. La politique, il y a Kalaya Djalelo, la politique, il y a Kalaya Koyemba, et ça se soutient. Aujourd'hui, l'opposition n'existe pas. Autres gens, il s'agit de gens en recherche des positionnements. Très bien. La preuve, c'est la Mouka. La Mouka est où aujourd'hui? Et ils peuvent passer à la télé. Les deux leaders de la Mouka, là, Mozito et Fayoulou, ils sont pourquoi Bakabouane? Moi, j'attends que ça. Le pourquoi Bakabouane, moi, c'est je peux vous dire. Merci beaucoup, Malamboka. Merci beaucoup, Maître Platini. Bon, Boutouzana, sur ce plateau. Ondeko Yves Badjoko, Malamboka, il y a décidé au cadre. Est-ce que vous avez
banza na sécurité à population au bino bobimisa na balabala. Est-ce que ba disposition yon ceci est zoami pour n'akoye ba que le vin wana ba tout ba koukoufate ma beko salimate alors que bino bolingi bo marché soit disant pour l'intérêt peuple? Merci mingi maman Naomi Kasioko Kandeko Nangai Maître Platini. Hako pesa ngai pasi na koseka mbala moko. Alabia komi na retard pona un civisme ya batu nanzila. Na rappele yon deko. So se même platon ya sa ki oke. Monsieur Félix Tshisekedi, na chauffeur na ye. Bazan a permis de conduire te. Donc si tu veux chercher ben un civique, oyebi ou le trouver. Biso tong to kamara na embouteillage, cortège en deko Félix Tshisekedi zwa kasan sénique. Cortège en deko Ngobile zwa kasan sénique, et keyi et tiki biso na embouteillage. Donc so ko zo luka ben un civique, pona ko justifier retard na yo, oyebi ou le trouver. Alobia, oui, il faut marcher à jeunesse et à UDPS, Makambu, Kili Kili. Toloba qui est en moi. Puisque Tolobi, tu reportes marche. Tu m'as dit, tu es bon, reporter pour Nanini. Toloba qui t'a vidé Ngobila de toute sa substance. Tout le monde sur les ondes, il y a des réseaux sociaux. Des jeunes se réclamant de l'UDPS. Le but est d'infiltrer marche à Biso pour que tout battu Biso, Bambeli, Kokata Katabiso, Machette. C'était public. De Ngobila, Machette, Azo, Lukanaïb, Saki, Akenina, ma permanence, il y a UDPS. À Kokuta et Mokuna, parce que c'est eux qui se sont proclamés publiquement qui va retourner à Bissot, par contre infiltrer Marche à Bissot. Alors comment yo qui défendre que le même jour va autoriser les mêmes personnes qui soutenaient que Barou Tobula Bissot va Bambeli, Bango Pemba Marché, Nzela Moko na Bissot. Il faut être cohérent. L'insécurité où il y a Bissot, Tozo, Baden Bako Mango, et Zalinde Bajel, où il y a eu des pèses, notamment Batoude Kolabiso, il y a force du progrès. Donc il ne faut pas supputer. Nanina Zongi la Maloba Mere Alubia Wateke, Ngobila, il nous a raconté sa vie. Pour Alubaki, a Pessiba raison, trois raisons spécifiquement. Non, dont notamment entraînement à militaire, Moussou Sakunda ba policier, ou Babou Maki, na Maindo, mais est-ce que vous m'avez dit que vous avez dit et quand vous avez dit que vous 3 jours, vous avez accéléré l'économie balée. Ceux qui n'ont pas sali en côté, ah, ça l'est fort, ah, ça a l'ongou la machette, nous sommes bien maquis, n'a pas la bala. Ceux qui ont kounda batou, ah, kounda batou. Ceux qui ba militaire, bah, ça l'entraîne, bah, ça l'ango, bah, ça l'ango, bah, ça l'ango, bah, ça l'ango, est-ce que vous notifiez pour la 20? Vous notifiez pour la 20? Le 20, oui. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez sur le plan administratif, c'est ça. Le 20, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez parce que on veut aller implicitement bah quand Abisso n'a un régime moko y a moins information qui ne dit pas son nom parce que n'a rappelé à wa que secrétaire exécutif Abisso n'a moins bah a équipé na moi matinée naé hier bourgmestre Yakumina Kinsenso a évoqué les mêmes faits au Yondeko Ngobila a. Donc ça devient maintenant un prétexte. Mais quand c'est ça, ça nous rappelle simplement le système du régime des médiocres, il y a Kabili. Nous, ça ne nous étonne pas. Mais le linga qui était au vidé des substances, il y a Ngobila, Ikula Makambo Lubara, ou Isakana, Nzela T. Pour revenir un peu, il faut ban amour pour réguler la circulation. Bien vous avez une solution. Avant de plateau. Donc c'est ça le travail à ban amour. Pour réguler la circulation. Ngobila musala nini. Amela ka champagne Matusalem, atambo na cortège à 4 voitures et puis là plus rien, la ville qui n'est même pas gérée, la ville qui se meurt malem et malem. Non, de konangai. Mbo passe auto ko bika retard hier quand même dans embouteillage. Et ça passe dans autre na autre. Donc biso to ko dénoncer, yo to contredire biso pona nini. Azongeli a raison à marche. De konangai raison à marche, c'est clair. Je suis quand même heureux malem malem na ko mona ndeti les coups de la vie et ko zongi sa yo bomo to na yo. On dit bien que la vie est devenu insupportable pour Nabatou Nyonso. Ato Simbi na Misapio, un tel Azaki Wana Liboso a participé dans l'augmentation de la vie chère. Mais comme on dit en français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Monique de Kofi, tu sais que les politiques ils athées. Ah, comme ma maman, on a n'a pas de bunga. Basalani. Si ma femme a participé à la libère, il est là, comme il est là, sous ce que ma bébé, quand il y a un peu de part de respect. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ce qui va Monique et ma bébé, Kotiko, Nabasani. Bafana Kako, Deti Bamem, Babi Kaka passe. Non, il est temps de se ressaisir. Bazongi, bisotozai qui au moins, yo mokoye bisotozai na aigle Martin Fayolo, atala kamakamulikola, mona ki djama kambo, onyo surtout, et on tofandaki na kote na biso. Mais si les autres, consciemment, ils prennent conscience que makambo est bien te, deti ndekunangai platini, aoutio lo bango. Donc rien que pour la question de la vie chère, ndekunangai platini, il faut azanangai na marche les 20, les 20 meyo, tout en abalabala, tout le bas, que ce n'est pas normal. Alors, bien makamama sangu, okokani sa baoutio kota pouvoir kaka kalamingite. Mais comment expliquer qu'un individu est capable de bloquer toute une république sur une question Yabama Sangou?
toute la République. Donc, Ndeko Félix Tshisekedi, avec tous les moyens de l'État qu'il a, mais Ndeko Moko, ou Ndeko Platini Ayebi, a empêché Masango Ekota Nambo Kanabiso. Même la délégation, il y a 10 ministres, tous les gouvernements, ils ont été incapables de résoudre cette question. Kasi. De Kunangaï. Quelle a été la politique publique au Binobochaki en place pour Nalikambo, Yamasango, pour tout le monde qui n'est pas ses alliés, de Kabila Bouma qui est tissu économique, parce que Binobosaki Nini sur les questions agricoles. Nous avons tout noté quelle est la politique agricole pour si nous avons tout noté la émission Mobimbe Sili, Bapesata, réponse à la population T. Kasito Bakisamoussou, les questions de sécurité. Il y a un moment où nous dénonçons, de Kabila Bouma ou la sécurité. Mais oui, c'est ça que nous dénonçons. Tout le monde qui a une sécurité ça, et qu'il est incapable, il y en a de Kofélix Tshisekedi, il y a qu'au résultat. Est-ce que vous mesurez le danger à Kobimana Balabala le vin alors que tu as un problème sécuritaire dans la ville et que Bandeko de Pes, Bandeko Moussouba au Tamboula, Bunyonio, son Balabala, vous mesurez que vous avez la population en danger? Maman Naomi, tu as un homme qui a 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 un homme qui. Donc, ça veut dire que, le danger quitte la rue et continue à faire. Vaut mieux prendre notre courage à demain, qu'on dénoncer et agir, mobiliser les gens pour conscience de la et mais il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités pour nous faire insécurité, insupportable. Donc, na comme on a les réseaux sociaux, na habite micro na bon otage sur la vidéo on a été, mais comme on est banalisé. Bakati mutu mutu et les qui na les réseaux sociaux et on oublie. Bakati mutu mbeli bakabolie ndoto miteni miteni likambote. Oui, bi le drame dans notre pays c'est que les conditions difficiles auto kobika ça n'interpelle pas ceux qui ont le levier du pouvoir. Oh baza qui na nenga muyibi. Batu bakufi 430 na yumbi. 5000 disparus. Donc on a potentiellement 5430 personnes d'Akoufi. Mais ce fait que tu sais que Bango mena Brazzaville. Mais c'est tout au tout total. Mais c'est qu'on a pas condition à bouer. Tout fanda, tout tika, Ndeko Félix Tshisekedi a continué à me bloquer. Non, c'est de notre droit, c'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité. Pour faire entendre notre voix. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez été dit par Mbemba, vous avez été dit par Mende, vous avez été dit par Moussa Yamoussi. Pour Bazaki Mindouki, pour Nakobuma, pour faire entendre leur voix. Nous, on n'a que nos pieds, on n'a que notre voix pour passer ici, pour dénoncer Babilo Kwana en espérant que les choses changent. Merci beaucoup, Maman Ali Kamoundé, Maman Ali Kamoundé, Ndeko Félix Tshisekedi, le 23 janvier 2024. Il faut acquérir. Donc, je ne vois pas par quelle magie il faut attirer. La misère sociale, l'insécurité, on est tous d'accord. Merci beaucoup. Processus électoral, au Kadima, Ajiba Ndekone, au Bazaki na Malawi, au Bazaki na Afrique du Sud, audit affiché électoral. Merci. Donc toutes ces raisons obligent la population à descendre. Merci dans la beaucoup Mwalamboka. Merlin Vuvu, tous on y a eu revendication de Kautotanga, revendication à Bino, il y a Otambola, Mokolo, il y a le 20 mai. Mwalamboka, le vice, le VPM, ministre de l'économie, a dit ça qui a manqué à Tabotamboli. Le lendemain, Bilo et Bimala marché était tondi. C'est-à-dire que raison Penza. Il y a marche ou un exacte pour même ma proposition, mais on habite au tambour. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Caméra de faire le baboué à table au tambour, il y a un roi banangaka. Nous, on fait le banabiso en moine. Ben, c'est qui est au salaire agronomie. Lui, il est payé tant que ministre de l'économie, il est payé pourquoi? Ah, mais payé qui s'est mis, c'est babou. Non, ça peut pas être babou. Non, mais journaliste est beau, ça a besoin de salaté. Beaucoup sont abissotés. Vous êtes en face d'un gars qui dit des bêtises comme ça. Il est payé par votre argent. Et puis, Tigui a lobby à Kenya, personne ne lui pose la question où est qu'on contraindrait. Lui, quand il était le directeur du cabinet de Tshisekedi, Mamba Sanjou, tant que Mamba Rotonga Banda, moi, si je suis un immobilier, côté quand je suis un Kenkeleri, parce que moi, si je suis un Mamba Sanjou, tu as un caméra ministre qui a intérêt pour moi, si je suis un Batenina Mindouki. Comme il me dit, moi, je suis un Mamba Sanjou et correspond à Naya. Non, il ne peut pas dire ça. En fait, c'est un irresponsable. Si le non, parce que lui devait nous montrer un plan établi par lui que d'ici autant de mois,
Bopé Sangaïto, nous allons résoudre tel problème. Non, on a quitté maman, caméra, la permis, ma bia banque, et le temps, la mpanzi. On a quitté l'isola 1 milliard et demi bimi. Voilà déjà, ça libère calcul, on a son mandat qu'on a free decide. On a son mandat qu'on a. Donc, on a dit que j'ai bédé à Babou, on a batté. Vous n'avez pas de preuve, mon ami. On a yébi. D'accueil. On a platini. Ce que le lobby gère, c'est que nous n'avons plus de gardes républicains. Bon, le département roulage il est payé pourquoi? Au moins, il y a un travail, il y a un responsabilité. Tu sais que c'est une démocratie, tu sais qu'il a appris la démocratie ou dans quelle école? Est-ce qu'il a été à l'université pour comprendre ce qu'est la démocratie? Félix Tshisekedi, il a appris la démocratie ou dans quelle école? Qui est ce professeur qui a enseigné à Tshisekedi la démocratie? Quand c'est en opposition. Non, attends, ce n'est pas ça la démocratie. Fils idéologique, non. Non. Mais si tu prends les 37 ans, il y a eu deux pèses. Au Sanxi, ils ont la gestion. Ce sont eux qui ont la gestion de la République. Tu as la République. Tu as la République. Ou bien, vous avez la mission de la Tshomaniopiti. Tu as la République. Alors, si tu dis que Tshisekedi est démocrate, ça veut dire que c'est le patron de l'intolérance démocratique. Pourquoi Barnabé Milingano est en prison? Savez-vous pas que le médecin nous recommande 2 fruits par jour? Sauf que nous avons dit que nous en prison. Tshisekedi, nous avons dit que nous devoir. Nous avons dit ça, c'est ça, nous avons dit que nous avons la classe. Comment est-ce que les juges, les magistrats, les magistrats, nous avons dit sur les termes de la rue? Vous devez avoir une démocratie. Tshisekedi, c'est un intolérant. Il ne faut plus qualifier Tshisekedi de démocrate. Alobi, Baba Menoua. Non, le champion de Menoua, c'est Abino. Quand il y a un mot, Menoua, il y a un mot, 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 il y a un mot. Alobi, c'est ça, non. C'est ça, n'est pas Mboso. C'est un gars qui a sa dignité. À nos mois, la union sacrée, pour moi, ça paye qui ça bango. G13, ma génitaire, il y a une proposition de loi électorale, va défendre un débat plénière. Il y aura un jour, la sécurité va claquer la porte. C'est lui qui a Jean-Jacques Mam. Alors, vous, aux autres, il y a une responsabilité, Nini, pendant que vous avez commis le robot, il a expliqué. Il a quelle responsabilité? Tu dis Moïse Katoum, ah, en fait, Moïse Katoum n'est plus juif. Il est maintenant zambien, sud-africain. Ah, c'est ça, c'est très bon. Et là, il est maintenant zambien, il est sud-africain. Il n'est plus juif. Donc, vous comprenez que Bato a une faculté, il y a excusiologie dans le département, il y a mensongeologie. Alobi, Matata Pone, non, Matata Pone a affronté la justice. Cite-moi un jour où Matata Pone a parqué à Kendati. Il est présent. Ben Moko, c'est un gars de l'île de pêche. Il n'y a plus rien, même au matin pour nous attaquer les athées. La question est sur la table de Mboso, ça fait une année et demie. Enquête parlementaire, tu sais qu'il a vendu Boukanga Lonzo au Canada pour Balona Diamba. Ça, tu n'en parlais pas. Tu sais qu'il a vendu Boukanga Lonzo au Canada pour Balona Bangui. Non, attends, il a dit, la question est sur la table de Mboso. Bah, député, bah, qui n'a qu'enquête, voilà, et les airs termes. Ogi Kalonge, Ado Sindombas, ils étaient à 7. Je vous cite d'abord ces 3-là. La question est sur la table de Mboso. Ça, il ne va jamais en parler. Parce qu'il dit que Saint-Félix a aussi le cas. Pour moi, on a Saint-Étienne. Bon, alors, il y a ma machette. Mais pour vous, est-ce qu'il y a qui s'insou? Il y a une autre chose dans le plateau. Nous avons brandi même les images. Comment est-ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui, Bougoumès? Comment est-ce qu'un Bougoumès a ressenti sa batou? Et si Bangon a dit ça qui est bino, ce qui est bakoulou n'a pas bimi, bino pebo bima. Et la félicité pas la venue de la paix avant qu'il s'est sauté. La première fois que Kombo a venu, na mon aura bougoumès. La félicité pas la venue de la paix, n'est-ce pas bakoulou n'a pas yaki, Bangon peut bima qui n'a machette. On doit arrêter. Comment est-ce qu'il continue à gérer dans ce pays? Parce qu'il y a quelqu'un qui a une compétence débordante, tu sais, Kedi. Merci beaucoup, parce qu'on a répondu à une minute dans la femme. 30 secondes. Ma revendication d'Abisso est fondée. Tu sais, Kedi a bradé même la sécurité nationale. La sécurité fait partie de la souveraineté d'un État. Tant que tu as la souveraineté à pays, tu as le système de défense et de sécurité. Nous ne sommes plus maîtres de notre sécurité et défense. Tu sais, Kedi l'a brandé, l'a vendu d'ailleurs. Tu sais, Kedi est incapable
venant d'un parti social-démocratie, incapable de donner même un petit peu, un morceau de pain au peuple congolais. Mais qu'est-ce que Attention. La planification, c'est deux choses. Quelle est la planification de l'Union sacrée pour l'administration Nanza? La planification, qu'est-ce que l'Union sacrée planifie pour nous sortir, à part détourner et voler? Merci beaucoup, Ndeko Merlin. Vous vous malamboka, Maître Platini, mon Doto Zongelayo, Ndeko Union Sacrée, Moussoua s'est présenté. Alubi Azana, Akangamina embouteillage, 30 minutes après, de bien émission, moi, pour Sanéza, le sous-souté, pour un ordre Ndeko Platini, de Likambo Massan, vous connaissez Banambouka, Likambo, il y a planification, bah, au Tiko Lobelango, je vais pas m'expliquer, il faut tout dans la colonne. Est-ce que faut tout dans la colonne, le lot pour problème est commis depuis Kalawana, solution de prévention, ils ont raté. Merci beaucoup pour la parole. Laisse-moi revenir un peu sur ce qui a été dit ici. Ndeko Yves, on ne peut pas caricaturer l'incivisme routier par rapport à y a permis de conduire. Quand on parle de l'incivisme, ça englobe beaucoup d'éléments. Respect des bandes, ça fait partie. Tous ces éléments, respect à bas panneaux, respect à bas signalisation, ça fait partie de tous ces éléments. On ne peut pas caricaturer ça directement, la permis de conduire. Là, c'est ignorer même le code de la route alors que je te vois souvent au volant. Donc, je crois que quand on parle d'un civisme, il faut essayer un peu de voir de manière générale. Alors, par rapport à y a Unité Oumoura, je vous dis que devant des circonstances exceptionnelles, il y a des décisions aussi exceptionnelles. Nous avons vu ça en France, dans plusieurs de pays, où la garde républicaine, Bima, pour la cause, réguler la situation exactement au niveau métro et ainsi de suite. Pendant la période d'Abataclan et ainsi de suite. À deux fois, on fait recours à l'armée pour intervenir. Et aujourd'hui, avec la situation à embouteillage, ils ont dérangé toute la population. Ce n'est pas seulement au niveau il y a Mazal et les autres, mais c'est aussi à tout le niveau. Même au niveau de Tchangou, partout il y a un problème. À deux fois, même le chef de l'État, il est de l'autre côté. Pour sortir, il a besoin, il y a vraiment des embouteillages. Tu as même dit qu'à des fois, il prend recours à d'autres lignes pour passer. Alors voilà pourquoi... J'étais calme quand tu parles. S'il vous plaît, madame. Voilà pourquoi il faut que la garde n'aille. Nanzela, oh, il y a pour les... C'est de la sécurité aussi. Nanzela, au chef de l'État, pour les capots à Bimana, à partir de la résidence n'aille, il faut qu'il y ait des gardes pour passer à Nanzela, c'est à Kofungama. C'est de la sécurité du pays. Je n'ai pas dit que j'ai eu la chance de rester dans Ngambounaye. C'est pour ça, des fois, quand je sors le matin, je vois le Moura. Mais c'est un ne va pas dire, bana tchangwa mouna api Moura. Ton bana nan, bana mouna ka, bana ya d'autres districts, bana mouna api Moura, Nzela. Non, c'est Nzela, chef de l'État, les Kanaka. Alors, je vais prendre maintenant l'hypothèse au lobby, il y a Moutoumoko a empêché pays Moubimbio Zamassango. Donc, on a vu ça dans le passé avec la Gécamine. Oh, Moutoumoko a s'imposé pour que ma camion a Gécamine et les Katé jusqu'à ce que ma fouta y mbongo naïe. Non, je te laisse la responsabilité. Je suis un juriste, je ne cite pas le nom des gens sur un plateau de télévision. Je suis très respectueux du principe de la présomption d'innocence. Mais dis-moi, je suis convaincu parce que la question des Bukangalo, j'ai assisté dans les audiences. Et je peux même dire, aller même au-delà avec ces sangs, il a même proposé des gens au niveau de mon ministère. Je peux même vous le dire ça. Donc je parle de choses que je maîtrise, c'est que je ne maîtrise, je n'ai pas d'éléments de preuve, je reste dans les conditionnels. C'est ça aussi faire la télé, parce qu'on ne peut pas dire, je vous ai entendu affirmer les choses ici, mais je ne peux pas faire ça à la télé. C'est pour cette raison que devant, vous savez aujourd'hui, il n'y a plus des infractions de droit commun. Quelqu'un qui passe à la télé, il dit qu'il est incompétent, il ne sait rien, il cite les noms et il insulte directement. Quand on va l'arrêter, oh non, arrêter politiquement. Alors que non, même quand on passe à la télé, il faut avoir aussi du recul par rapport à ce que nous sommes en train de dire à la télé. C'est aussi important. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrête un opposant directement, par exemple, c'est que vous avez Ndeko Yves à Lobby, que notre chef de l'État a voyagé pour aller voir des vaches. Au Congo-Brazzaville pour aller voir des vaches. Est-ce que le voyage... Vous savez, quand les gens nous suivent à la télé, souvent les Congomanes, ils ont détaillé. Mais quand tu dis ça... Les Congolais ne sont pas intelligents.
Pour entrer en détail. S'il vous plaît, mon avocat. Quand tu dis ça à la télé, tu es en train d'influencer négativement la population. Les chefs d'État est allé là-bas, c'est un voyage diplomatique. Et au travers de cela, on peut l'amener visiter. On a vu ça avec le président Mobutu à l'époque. Il a visité aussi d'autres chantiers, une fois à Chine à l'époque de Mao Tse-Tung. Mais aujourd'hui, si le chef de l'État fait ça, il regarde pour venir le faire ici. Mais à la télé, tu prends directement cette partie-là. C'est aussi ça de ne pas comprendre les choses. Même par rapport... Il vous a parlé de VK ici, Vital Kamerhe. Vous avez dit que ceux qui battaient na 100 jours, moi, c'est comme Kaboué, mais aujourd'hui, je vous dis, il a plus de 500 tonnes. Mais il est ministre de l'économie il y a que quelques temps. Ah, lui, il n'y avait pas de main, il y a quelques temps. S'il vous plaît, mon amour. Il est ministre de l'économie il n'y a même pas 2 mois. Mais sa femme est déjà capable de mettre sur le marché plus de 500 tonnes. Alors maintenant, dis-moi maintenant. C'est quoi la différence? C'est quoi le rapprochement que vous avez fait? C'est un rapprochement frauduleux. Parce que si quelqu'un est à mesure à mettre à disposition de la population 500 tonnes aujourd'hui, c'est qu'il avait commencé à le faire depuis longtemps. Maintenant, je me tourne vers vous, les opposants. Ouais. Vous aimez bien la population. Vous avez combien de tonnes avant dans la population? Je vous donne la réponse. Vous me donnez votre temps d'antenne. Écrivez. Katumbi a 17 000 tonnes. Katumbi, celle du 7 000 tonnes. Écrivez, mon frère. Parce que je suis dans Massangou. Parce qu'il a plus de 500 tonnes aujourd'hui. La personne que vous avez citée, Moïse Katumbi, il a Azana usine, il y a Massangou à niveau. Non, tu n'es pas informé ici. Oh, il est en train de mentir. S'il vous plaît. Azana usine à Massangou ailleurs. Et puis, il était gouverneur, il y a province Ouana. Il a profité de sa qualité pour faire 2-3 trucs là-bas. C'est normal. C'est normal qu'il se retrouve avec cela. Mais aujourd'hui, la pénurie que nous avons connue, Amida a trouvé l'argent. La pénurie que nous avons connue, il est derrière tout cela. Maintenant, par rapport à la planification. Parce que vous savez, à des fois, il faut faire la part des choses. Dans la planification, on planifie les choses pour donner des résultats dans le futur. Mais lorsque le président Vital Kamerhe, lorsqu'il a pris le ministère de l'économie, il est entré moins de 1 mois, il y a une question qui s'est imposée à lui. C'est quoi la question? Il fallait trouver le maïs tout de suite et maintenant. Et c'est pour cette raison-là, en recherchant comment trouver la solution tout de suite et maintenant, il a fait ce qu'on appelle une solution à court terme. C'était quoi? C'est de faire la descente sur terrain pour voir qu'est-ce qui empêche le maïs d'entrer dans notre pays. Ça s'appelle une solution à court terme. À long terme, il faut voir quoi? S'il vous plaît, mon ami. Deuxièmement, je sais qu'il y a de l'évaluation. Parce que dans chaque déplacement, il faut évaluer. On va voir le coût, combien de ministres. C'est de l'évaluation. Mais la solution à court terme a porté ses résultats. Deuxième, c'est la solution à moyen terme. C'est quoi la solution à moyen terme? Il a demandé à ce que toutes les personnes qui sont dans le domaine, il y a maïs, au Bassana Babani, Bayako, se faire enregistrer pour que l'État puisse acheter ce maïs-là pour servir la population. Là, c'est ce qu'on appelle la solution à moyen terme. Solution à long terme maintenant. Au niveau de la FPI, au niveau de la NAPI, on a fait des exonérations pour toutes les personnes. Même aujourd'hui, même Bato Bazo œuvre dans le domaine, il y a maïs, on a fait des exonérations pour permettre à chaque personne, au hasard, même pour importer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droits comme c'était avant. Même les gens qui vont apporter des graines, ils n'ont plus de droits comme avant. On a exonéré pour faciliter tout le monde des produits. Mais c'est ça aussi planifié. Dans moins de temps, dans moins de 2 mois, il a quand même pris un certain nombre de décisions. C'est ça aussi planifié, c'est ça aussi géré. Merci beaucoup. C'est ça aussi géré. Mais madame, je voudrais citer par rapport à la vie chère et par rapport aux élections. À la vie chère, les élections. Je prends même les élections. Par rapport aux élections, lorsque nous avons besoin des élections, je crois que c'était Ndeko Yves, au mois de décembre. Dans ces cas, il faut revoir vos revendications, enlever la partie consensus de la CENI. Parce que si vous insérez toujours la partie consensus de la CENI pendant que vous réclamez les élections au mois de décembre, c'est impossible. Donc, revisez vos revendications, enlevez la série et restez avec nous. Merci beaucoup. Tout ce qui est dans ma ponomi, opposant au consensus, et ça, le malouengue, le gobani au pouvoir, ma ponomi ou rien. Qu'est-ce qui va se passer d'ici le 20 décembre 2023? Tout est bien que
déjà bobengi ya ko nettoyer fichier topé auditi ya fichier externe ça déjà elongo bani kuna na seni bazali ko senga et que esalema lolenge esengeli ka opposition esengi que bato ba ko uta libanda topé ba organisation baza fiable de basa yango mambutu mbutu esa sur question électorale mais ce qui est vrai toujours kende sûrement vers la tenue des élections 2023. La Banque mondiale a dû interrompre le financement de projets humanitaires et de développement au Congo d'une valeur totale de 1 milliard de dollars en raison de la dissolution par le pouvoir du Fonds social pour la République démocratique du Congo et la création d'un autre fonds d'une même nom. Donc, le mot de ce fonds, il y a un mot de ce fonds qui est signé qui est ordonnant. Il y a un mot de ce fonds. 91 millions de dollars et Zali vraiment tracé tenez bas c'est qui na ministre de la finance a tracé en gros n'ayez mon candidat mon quoi Zali qui a adressé na ministre de la finance de quoi Banque mondiale Zali qu'aussi la traçabilité car si n'anga mouya pouvoir balobi que rien n'est perdu moi dans mon cas Yves Badjoko l'olenge cadre nous à la lecture sur ces questions parce que tu as dit qu'il y a un projet et moi et Belé entre autres que nous avons solution à problème mais est ce que c'est la violence sexuelle peu bon la bon trois ou quatre projets qui n'a les cambo yango kasi lelo et comme moi mboutou mboutou ma kalisinayo sur yango rapidement merci Mingi n'a aucune de konangai pour le lobby que nani aza courageux à la plateau t'es à courageux t'es audacieux aza na audace moko déplacé. Ils sont des propos irresponsables et irrespectueux par rapport à la population, par rapport à Bissau Bahi résistance, Bahi opposition auto-déclarée, marche en Bissau. Et nous avons dit que Maître Platini a dit Maître Tongtoulubi est irresponsable et irrespectueux, ils ont fingaté. Ils ont fingaté. Lorsqu'on qualifie une gestion d'irresponsable, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à l'aspiration populaire T. Ils ont répondu à besoin essentiel de la population T. Donc, Ndeko Vital Kamerhe, il aurait mieux fait de se taire afin d'à côté Azali. Parce qu'il pose une question de moralité et d'éthique. Aïe, ça a 57 millions d'abissos et qu'il y a un wapi. Yozali Moutami Beko, dans la décision où il est lié dans la justice, il n'y a jamais qu'Azali innocent. Il y a une insuffisance des preuves. Mais normalement, dans un pays sérieux, le procureur aurait dû continuer des enquêtes pour Aïe, ça mon abisso et qu'il y a wapi. Donc, M. Vital Kamerhe pose le problème d'éthique et de morale avant de pouvoir se positionner devant Batoua et Loba. C'est parce que nous sommes dans un pays où M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité après le hold-up électoral. Nous sommes dans la situation. Comment on peut prendre un tel M. Batchaye au niveau de la responsabilité et à gouvernement une responsabilité publique? Donc, sans m'attarder sur Ndeko Vital Kamerhe, donc il pose des problèmes. Tout le monde a eu le but à osant insister. En français, la bêtise insiste toujours. Ils ont insisté. Ils ont dit que Banamour a bakoué au Bengabango pour la question exceptionnelle. Il y a aucun exemple aux OPS. Aux OPS, exemple à Bataclan. Alors qu'au Bataclan, il y a eu attentats. Des attentats. Et il avait été décrété le plan Vigipirate. Et ils avaient quitté Pona. Sa circulation. Non, c'était le plan Vigipirate et le biais était Soda Baron Téléma dans certains endroits, dans certains carrefours. Mais ce n'est pas de ta faute. Bino Bataillon Sacré, vous ne savez jamais rien. Deko, Kasson, on a évité ce qu'il a acquis à Soloto Lukuta, mais Namuna qui avait été démis de ses fonctions, qui avait été remplacé, si je ne m'abuse. Et que les ordonnances suspendues pour tricher. Remise et reprise, non, non, et ça limité avec celui qui devrait venir après, Toko Lubakara Makambo, il y a Kasson. Deko Nangali, lorsqu'on parle de la famine dans Bokanabiso, ils ont blagué. Nous avons 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Donc, maman, Pila tombe le bac. Oh, partout, nous allons les rater. Ce n'est pas la même chose dans Oïza, dans Kinshasa. Nassi n'a pas ce exemple. Le bioko, là, la bouina boutou. Le bioko, la moukite. Bobi, mais toi, qui n'a pas qui vient. Au coup, il n'y a pas d'anzala, mouté bomio. Nous sommes dans ce contexte-là où M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive en responsabilité, il y a 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent mourir pour cause de faim, pour cause de famine. M. Félix Tshisekedi, 5 ans après, on a toujours 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Tobakisi Koutba déplacé au Yabakisité avec sa guerre avec le M23. Ndeko lobi que non, il y a Fanan de côté, moi qu'on a Ndeko Félix Tshisekedi et tout, tant à la Moukaramon, à Rabana Moura, à corréguler circulation. Donc nous ne sommes plus égaux devant la loi. Monsieur Félix Tshisekedi a le droit de ne pas avoir de permis de conduire. Moi j'affirme, et je le cite nommément, M. Félix Tshisekedi n'a pas un permis de conduire, du moins national. Son chauffeur qui les conduit tous les jours, et tous les chauffeurs qui sont dans son cortège,
n'ont pas de permis de conduire. Avant même de parler, il y a infraction, il y a circulation. Il faut d'abord avoir cette capacité, il y a Roby Mananzila. Pour avoir cette capacité à Roby Mananzila, il faut avoir un permis de conduire. Lorsque les prémices sont fausses, les restes sont faux. Yo, condamné Bateau Bazan à Balabala Ponanine. Qui est censé donner les permis de conduire aux gens? Si Deco Félix s'est qualité avec son exécutif et son gouvernement, mais s'il ne le fait pas, donc tu ne vas pas venir ici, Bino Bateau Union Sacrée, vous plaindre de votre propre turpitude. Mais c'est de notoriété publique. La presse présidentielle, c'est des reportages. Nous avons 430 Batbakoufi et 5000 disparus. Donc jusqu'à l'heure aujourd'hui, ça fait déjà aller plus de 3-4 jours, nous pouvons considérer que Batona Bakoufi. Nous avons 5430 personnes Bakoufi. Monsieur Félix Tshisekedi Lobi a dit qu'il n'a pas voyagé ni. On ramène Alexis Baimage ni à visiter Bangombe. C'est la presse présidentielle, nous avons dit Baimage on a rien. Non, il ne faut pas vouloir nous intimider, Ndekunangai, Maître Platini. Nous disons, nous parlons des choses factuelles. Et ça, des choses factuelles. Ndeko Félix Tshisekedi, ce qu'il y a un souci pour la population. Ndekata qui voyage à Zongia. Mais vous n'avez aucun souci pour la population. Ndeko Nicolas Kazadiale qui na TV. Yo, tu n'as jamais fustigé Kazadiale de manière claire. Que Ndeko. De côté. Que Kagame a koki Kobuma. Tant qu'il voudra Kobuma. Akoti Kalaka toujours frère et ami Yandeko Félix Tshisekedi. As-tu déjà fustigé quand Malubana? Il a craché sur la mémoire de 12 millions de Congolais. Parce que Kagame est responsable direct ou indirect, il y a 12 millions de Congolais. Oyo, Bakoufaki. Dossier. Olobi Makambo a mis d'Abadnaoki à Wazan à 500 000 tonnes. Il y a Massango. Oza, Moutamoube côté. Oui, délit d'initié. Est-ce que M. Vital Kamerhe ne savait-il pas que cette pénurie arrivait à Yokanina, madame, ne? Je suis désolé, ma maman a mis beaucoup de tissus dans le débat. Est-ce que ne savait-il pas préalablement que pénurie aux Okoma, à l'objet, maman a dit, Banaka Rolona Massango, pourtant que Okoma a dit, vice-ministre de l'économie, n'a pas mis de tissus dans le débat. C'est ce qu'on appelle le délit d'initié. Entreprise Ouanezo, vous m'avez dit déjà, maman a dit, le délit d'initié, lorsqu'on a des responsabilités publiques, on n'emmène pas sa femme, ses enfants, ses oncles dans les affaires publiques. Et on va bien dire, délit d'initié. Vous êtes avocat? Papa Nangai. C'est juste une question. Vous êtes juriste? Papa Nangai. Ils ont dit que Mbrosa est juriste. Nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je suis un intellectuel. Papa Nangai va foutre la loi. Papa Nangai a foutu la loi. Papa Nangai a foutu la loi. Papa Nangai a foutu la loi pour qu'il y ait université. Une minute, je suis sur la télé. Donc, Monsieur Vital Kamerhe peut être en position de délit d'initié dans Makambu, il y a Massango, Oyo, Ozo négligé. Mais en une réponse comme en mille, ils sont tous des voleurs. Maître Platini, un voleur, c'est pas moi. C'est jeter Panda. Je n'utilise pas les propos. J'utilise les propos des gens. Avec Bisonio, sur la mouvance présentée, toi, Mihibi. Ensuite, Bangonio, sur Bazam. Donc, mon frère, Maître Platini, ce sont des voleurs, tous. Je peux saisir les parquets après ici sans que ce soit une infraction politique. Mais il n'y a pas de problème. Je cite de manière très claire et intelligible José Panda. Il a dit sur les ondes de la télé. Moi, je parle toujours des faits factuels. Moi, je n'invente pas. Je ne stigmatise pas des individus. Non. T'as vu Maloba José Panda. Si quoi que 91 millions et Bungi. Yoko Kamwa Ponani. Est-ce que la population sera surprise de ça? Lui et son régime, ils nous ont volé entre 600 et 900 millions de dollars avec la question des rames. Est-ce que Moni Bango Bassani pour redevabilité? Bon, ma rame, Kenawa. Sur le BOT, ma Kamboko, saisir justice. Ma peine à saisir, na tout naïe, batou naïe, place ni Bouchambou, mon abisso, y a rame. Bon, il y a 100 jours, et Kenawa. Tire l'autre. Bon, 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 tire l'autre. C'est ça la question. Le fonds Covid, Ezawa. Vous savez, c'est un simulacre d'interpellation. Et puis après, plus rien. Toloba, Tolobate, ou le bureau, mais malheureusement. Merci beaucoup, Malamouka. Mais la question est qu'aujourd'hui, les Congolais n'attendent plus rien. Les Congolais savent
Et la seule image du régime de M. Félix Tshisekedi est tinda à travers le monde. Yabiso, c'est que nous sommes des gens qui trimatent. Très bien. Merci beaucoup. Le lexing, on a 30 secondes. Marubano, est-ce que vous avez un peu de bongo projet na projet Zalaki Bongo na Fonds monétaire international Bongo et Tindami Kasi va changer, va dissoudre Fonds Anapé ou na créer mon sous et créer problème. Na lettre moko adressée na ministre de la Finance, directeur y a opération à Banque mondiale pour la RDC a rejeté. Absence et échange au préalable à Sengi la présidence. Ba Lukane y a éclairé Bango. Est-ce que Isaac Obebi sa image y a Mbou Kalibanda? Est-ce que Pesa par rapport à la lettre Moko bande quoi opposition ba signakate, qu'est-ce qui se passe? Merci maman Pila na ina pesa na ngalo ba mambuya tanta pa ba mambuya ya visite et reseman de wonanga ba choko jongo c'est conseil exceptionnel ya ngwana ya y attentat na France ba su ba décision exceptionnelle ce que bino mbisa ba gère na décision ni ne c'est conseil exceptionnel la ranine alobi mambuya nzala non 30 millions de Congolais va vers l'insécurité alimentaire, 7% à 30 millions dans un espace Kassai. Chaque 30 000 dans ce pays, un enfant de 10 ans perd sa vie à cause de la famine. J'ai suivi le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Moutinga, dit, lui, il accepte que chaque minute, chaque 30 minutes, un enfant moins de 10 ans perd sa vie. Mais il dit ceci, ce n'est pas 30 minutes, c'est une heure du temps. Ça, c'est le ministre. Il dit que ce n'est pas 30 minutes, c'est une. Il sait que chaque. Donc, il est conscient que chaque une heure du temps, un enfant de moins de 10 ans perd sa vie à cause de la famine. Et pour lui, ce que le ministre, une heure du temps, c'est que lui, il a réussi son mandat. Ça, c'est le régime. Il y a Moseki 100 kilos. Alobi Katumbi, non, Katumbi a 17 000 tonnes. Bosali makambo quand des bosala qui bongako betsa lopar na Cameroun si ba joueur na ba entraîner ba s'opposer quitter parce que le stade Mazembela bongo même équipe nationale symbole ya unité nationale ya qui ya mboka mabom même ayo à l'extérieur parce que vous êtes en diversité politique na mutu. C'est ce qu'ils ont fait. Katumbi a 17 000 tonnes de maïs. Je mets ma main à couper. Tant que vous avez le baké maïs parce que il y a une entreprise dans Goma, je vous envoie les images, dans Nord Kivu, il y a plus de 1000 tonnes. Il y a 500 tonnes, non? Papa Amida. Mais là-bas, il y a 1000 tonnes de maïs. Il y a une plantation de maïs qui est en courant. On voit ça que tu sais que tu as une caméra qui est en société. Pourquoi est-ce que tu as? Parce que ma tata est actionnaire. Bon, il y a la diversité politique. Bon, même si tu as une question essentielle, il y a la République. Oubliant que. Tout ça, les Congolais basés dans malnutrition aiguë. C'est comme ça que basés qualifient en haut dans les institutions internationales. Alors, à qui la faute? Maintenant, dans la planification, est-ce que vous avez amusé à expliquer quelle est la politique publique mise en place par Tshisekedi dans le secteur économique et agriculture? D'abord, quand Kamere dit, non, lui, il est pour vérifier, contrôler le prix et le marché, mais la production dans le secteur en est. Il a fallu que le ministre de l'Agriculture vienne nous expliquer qu'est-ce qu'il pense de la production. Mais voyez, on envoie Kamere. Il nous parle de sa femme. Il a 500 tonnes. Tu as rencontré Kamere? Non. Il n'a pas cité le nom de sa femme. Non, lui, comment est-ce que lui, il a su que Amida. Non. Comment est-ce que lui, il a su que. Non. Comment est-ce que lui, il a su que Amida. Non, mais justement. Je te donne ma source. Est-ce que c'est normal, ça, on donne pas de source? Exactement. Alobi Katumbi, à Kangaki, bah minéré, là, chez Kamine. Ah, non, tu comprends maintenant que Katumbi n'a pas pris l'argent en politique. Tant que le bagaï, il est en là, il était qui? Ce n'était qu'un homme d'affaires. Bah, des fois qu'il est bon, il est et à s'opposer. Merci pour la reconnaissance. Non, c'est le raisonnement là, yo. Mais ici, tu reconnais que déjà, face à la politique, alors on à l'État congolais, c'est toi qui as invoqué cette histoire. C'est toi aussi qui as reconnu. Oh, que tu as reconnu. Il y a un dossier. 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 Maman, il y a un dossier. Au moins, tout le monde a porté un bandage qui a pouvoir, il y a un bandage qui a pouvoir.
Je suis un peu plus de temps. Pendant temps à l'obagé, notre système, nous sommes tous des voleurs. Vous faites partie d'un système vrai ou faux. Alors, surtout que dans le raisonnement, pendant, nous posons la carte. Babanga te balia mbongo à l'université. Mbongo ya Chilengelu. Mbongo ya zéro trou Kinshasa. Le lo Kinshasa, c'est un zéro trou. Yo mona débat a mbongo ya bana ya kelasi débat alingeti toni mwa ba a ti toni mwa ba intimida alingeti devant biso alobi soko mekuso lo bana balancer ba imagine yo ka lingeti aloba li susu ti ba kenda okata mon pa président de la république Augustin Kabuya o mona photo te alingeti na toni mwa ba pa président vandi ba okata makapa nazo tanga lo ba mbongo mbongo ya poisson ya Namibie e mata peuple zonga te tolia ba poisson ka na Facebook na WhatsApp. Pourquoi on ne na Facebook na WhatsApp. Bah là qui se prenait tout refaire mais la question. Ah, pour comprendre que quoi iba pas la bine, nous petit mot. Comment les deux vont aller? Les habitants vont en avoir l'ingoua, tout le monde a bakulu. Nous avons petit mot bakulu, babi kaiibi. Oh, comment s'y goni? Pour petit mot, copie les abunda bakulu na iba. Quand on a entendu. Parce que président, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi ils ont attendu à ce que la Banque mondiale ait fait mi babi nous a communiqué pour baloba? Pourquoi bango basi basésite pas c'est. La transparence, c'est quoi? Nous avons dit que c'est Yves Badiouk. Nous avons déplacé, on a ok, on a place tel. Il faut dire ça, Yves. Yves, mon, on est bon, il soit tranquille, nous avons déplacé. Pourquoi il faut attendre qu'Yves va déclarer? Pourquoi ils ont attendu? Et dans ma salle de communiqué, ils ont montré cet argent. Mon, on a ramené à loger dans la banque. Merci beaucoup, Mme Boko. Non, non. Le dépassement budgétaire, n'a pas vu que le président de la République, il y aura 400 millions par année. Mais il y a 400 millions, il n'y a pas de. Et puis. Batoyo, mon wana la moni gosa la ngwelo roté. Bosombe la ngaba veste pour ton nuki ba costume. Merci. Mais que président a réservé ba veste nous à Peter Kahn. Ba veste nous c'est nul ba veste nul. Ça dit boti ka koyimba. Té non, ça c'est une honte pour la République. S'il vous plaît. Ki boti boyimba na bino biso tourundima. Merci beaucoup. Mais bon ça vous ça tout na cop na. Merci beaucoup Ndeko Platini to silisa na yo fonds social na mokanda yango Banque mondiale les otangisa 91 millions mon président qui on a réservé dans notre assiette mais président s'est rassuré buso que mon solo a nezali et que et l'autre mon côté bungi et l'autre mon côté a perdu seulement va retransférer na fonds social na fonds social les a qui des sous pour na fonds social les a créé mais pendant ces temps bah conséquence les a déjà qu'on s'est fait ressentir na ba projet on a les là qui est sur ma balambo comment faire ici là. Merci pour la question. On a bandé la moquée pour recadrer quelques éléments que j'ai entendus ici rapidement. Et je voulais insister sur une chose. N'invitez ceux qui battent bien dans la plateau, dans un problème dans l'UDPS. C'est-à-dire, ma partie politique, dans un problème particulier dans l'UDPS. Mais je vous fais savoir que je ne suis pas de l'UDPS. Nous sommes alliés, c'est-à-dire nous sommes tous dans cette plateforme politique où on a Obapingi, Union Sacrée, mais nous, nous sommes essor de la République. Notre slogan, notre modèle, c'est diriger autrement. Notre philosophie, c'est venir en politique pour diriger autrement. Alors, la philosophie de diriger autrement, présentement, essor de la République ne gère rien au sein de la nation. Oh. Mais vous défendez quand même. Laisse-moi finir, laisse-moi avancer. Il ne gère rien au sein de la nation. Mais du moins, on ne peut pas balayer la maison tout en restant à l'extérieur de la maison. Nous avons voulu entrer dans la maison, c'est-à-dire entrer dans cette plateforme politique pour essayer de voir comment commencer à impacter par notre présence la politique de notre pays. C'est ça notre vision, c'est ça notre modèle. Alors, lorsque vous êtes en train de citer les voleurs, il faut aussi mettre de l'eau dans votre vin. Dites-vous que non, il y a des partis politiques qui ont encore de main propre, mais qui sont venus pour apporter leur expertise pour faire avancer les choses. Alors, je vais rapidement aller avec le délit d'initié, parce que c'est mon domaine, je suis avocat. C'est l'article 169. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai parlé de mon domaine. C'est mon domaine, je suis avocat juriste de formation. On ne peut pas m'enlever ça. Je reviens sur une question qui a été soulevée sur un plateau de télévision. Moi, Lingala, moi, Mingi, moi, Namboka. Plateau de télévision. Délit d'initié, c'est lorsqu'on profite de sa qualité pour se faire de l'argent. En quelques mots. Vous m'en remerciez.
on profite de sécurité pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, il y a mon côté bisibiso awa. Au bien sûr que notre société on a eu un abattoir et belé, matata pour nous a actionnaire. Oui ou non? Oui. Aujourd'hui, au bien sûr que notre matata pour nous a une université à Kindu. Oui ou non? Oui. Aujourd'hui, au bien sûr que notre Moïse Katumbi a 17 000 tonnes. Oui ou non? Oui. Quelqu'un qui est gouverneur de la ville, il est incapable de transformer le stade national. Le stade où il y a l'État, il est capable de transformer la norme internationale, mais à ce stade, il y a un groupe privé. Il est incapable de transformer un stade, il y a l'État, la norme internationale. Et vous prenez ce genre de personnes comme modèle et vous venez de sur un plateau de télévision pour nous dire que ce sont des modèles. En quoi ils sont modèles? Ils ont profité plutôt de leur qualité qui leur avait été confiée pour que se faire de l'argent. Et aujourd'hui, ils sont appelés, vous voulez obliger l'État congolais de négocier avec ces gens-là. Qui sont maintenant des voleurs? Ces gens-là, où ils vont détruire l'État, ça va bien privé, ça va université, ça va nini, ils vont aussi négocier la banque. C'est vraiment le vrai voleur. Le vrai voleur. S'il vous plaît, si vous maman a mis dans la macambo, pardon. Sur ce plateau, je ne veux pas qu'on s'attaque à une femme. S'il vous plaît. Une femme dit se mettre. S'il vous plaît. Je ne veux pas privé. Ceux qui y a 500 tonnes, autant de 17 millions, ceux de 17 millions. Mais quand tout le monde a commencé depuis. Alors, si même, malgré cela, je vais revenir maintenant sur le Banamoura. Non, moi, je suis de Mongafula. Moi, monsieur, je vous en prie. Je suis de Mongafula. Ok? En venant, je passe par Nzela Maï. Le chef d'État est juste à côté. Donc, Nzela, chef de l'État, il faut que la sécuriser. Il est quand même chef de l'État de moi et de vous, ainsi que de vos présidents. Donc on ne peut pas dire que mettre le chef d'État en insécurité. Et alors, on met la route pour ouvrir le chemin. Donc ce n'est même pas compliqué à comprendre. Par rapport à la famine. La famine, il faut voir, c'est vrai, on peut parler de ça, mais c'est sur le plan régional et sur le plan international. Dans quel pays? Les conséquences. Si un pays avec 10 millions d'habitants. Les conséquences de la guerre tolérance, s'il vous plaît. Impact non seulement en Europe, mais aussi en Afrique. 30 millions de Congolais de sécurité alimentaire. Ce n'est même pas. Tu dis que c'est une situation. Ce n'est même pas quelque chose que je vais revenir sur ça. Alors, maintenant, pour suite à votre question. Rapidement. Madame, vous savez, la Banque mondiale a mis l'argent à notre disposition, c'est vrai. Mais, et puis il y avait des rubriques déjà bien prévues pour dépenser cet argent-là. Mais le problème, c'est qu'on a juste transformé, c'est-à-dire on a quitté la forme juridique X pour la forme juridique Y. Tout n'est pas avocat. S'il vous plaît, Je parle de Congo Bleuze. Il est placé dans l'immeuble et comme il y a un immeuble en dessous. Cela ne fait pas de Congo Bleuze un détourneur. Il y a des. S'il vous plaît, moi, Lamboka. Donc, présentement là, moi, je crois que si le gouvernement a donné. Au moins, les lois la Congo on vient sur un plateau de télévision, on discute sur un communiqué. Alors que nous avons le droit d'aller au ministère, de demander au gouvernement de nous donner des précisions par rapport à ce que vous trouvez pas clair dans leur communiqué. C'est un droit constitutionnel pour chaque Congolais. Mais on vient devant la télé sans avoir des éléments, sans parler. Alors vous dites que la journaliste n'avait pas d'informations. Parce que qui a mis la thématique. J'ai parlé de voilà. J'ai parlé de la thématique par rapport à vous, parce que vous avez été informé. Mais plus de créer une thématique qui oui, nous avons été informés. C'était de vous allez au niveau de chaque ministère pour voir des éléments et puis venir sur un plateau que nous j'étais là-bas hier. Non, pas moi, la journaliste. La journaliste a dit que. S'il vous plaît, on dérangeait le ministère. Mais la dérangeait que. Mais on traitait au moment que il y a une thématique qui existe à rater. Donc, Massi, maintenant, tu as mis une thématique, il faut notre cerveau. Merci beaucoup, Ndeko Merlin. Vous voyez, merci beaucoup. Ndeko Yves Baldjo Kwazaki, discipliné. On se retrouve demain. N'a pas invité, on se soumet toujours. Avec le même plaisir. Au revoir. Mais oui, tu n'étais pas discipliné aujourd'hui.